de la houle en baisse et du vent offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon mardi, un mardi qui commence sous la couverture avec une température extérieure assez moins fraîche que les précédentes matinées, 6 degrés. Dans l'eau, c'est 15-16. Cet après-midi, un temps variable à couvert, une température à 6. Nous sommes sur une marée qui descend, le plein bas est à 9h40 avec des coefficients de 75. Sur cette descendante, le vent est offshore avec un secteur est-nord-est, il est modéré, il y a deux beaux-forts établis, des rafales à 3. Et on a, je confirme, une toute petite houle longue de 10 secondes de période orientée ouest-nord-ouest à ouest, qui est à la baisse, qui tourne sur la bouée côtière du Cap Ferret à 70 cm. Et bien en taille de vague à la Cano, ben, il y a 30-40 cm en déferlement régulier, 50 cm sur la majorité des séries. Et là, pim, bam, boum, 70 cm sur les grosses, mais il n'y a pas plus que ça. Petite vague qui arrive à dérouler un petit peu, vous voyez, mais bon, c'est petit, c'est rikiki, hein. C'est vraiment, la mer, elle fait quasiment pas de bruit. Il y a quelques personnes qui checkent les conditions, mais il n'y a personne à l'eau, petite condition sur zone. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va baisser. Le vent va rester offshore, à 13h, on attend 50, peut-être encore un petit 70, ou ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent est-nord-est 3-4, et à 17h, 50 cm, grand maximum, ou ouest-nord-ouest à ouest, 10 secondes de période, vent est-nord-est 1-2. Pour moi, le meilleur créneau, c'est ce matin, sur les meilleures bandes de sable, il y a quand même des petites vagues qui arrivent à dérouler. Après, avec le montant, attention, ça va devenir rapidement poussif, inconsistant, non déferlant. Mais le programme de la journée, c'est de la toute petite houle. Prochain point, tout à l'heure. Thank you.